Harley de la cité minière et pour certains Harley de deuxième paille. Et cela, c'était dans les années 80, les années glorieuses de l'uranium au Niger, les années de tous les espoirs pour les habitants d'Arlit. Aujourd'hui, Arlit tente de survivre et procédera et doit se préparer pour un nouveau destin, la fermeture des activités minières. Oui, derrière cette frénétique activité régulière de tous les jours des Arlitois se cache pourtant